Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 314 de Stage One, et nous allons jouer aujourd'hui un jeu qui s'appelle Final Dusk. Et on va découvrir ensemble, et puis c'est parti. Donc il y a un gros bouton play au milieu, option du jeu, option vidéo audio, 60 Hz, ouais, ok, admettons. Option du jeu, des dialogues, hein, c'est en français, et ça n'a pas l'air de se jouer à la manette, parce que sinon il y aura peut-être des halos autour de... Donc 0,30, 0,90, 0,160. Ouh, ça sent le jeu de puzzle. Enfin, le jeu niveau par niveau, en tout cas. Bon, bah c'est parti, loading. Ouh, j'ai une barre bleue en haut. Mal foutu, ce jeu. Un truc qui était mal foutu. Notre histoire commence dans les jardins du château où tous les vampires du royaume s'élèvent le bicêtre, blablabla. Une autre année couronne de succès. Regardez, tout le monde est heureux. Bla, bla, tout cela, c'est les vampires règnent sur le royaume. Ah, les vampires. Avec les dents, si je le sens. Les elfes, les humains, les nains nous servent bien. Ouais, bah, je vais l'insulter, là. Comme dirait François Perrus, je vais l'insulter, la pétasse. Mais, pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si on laissait à eux-mêmes... Oh, genre, cette suffisance, quoi. Parlons du chaos. Où est notre fille privée de sortie? Ok. Elle a encore une fois essayé d'ajouter de l'ail au plat. Oh, 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 hé, 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 mon roi, ma reine, madame Yavanna, wakon. Que pouvons-nous faire pour vous? Des rumeurs courent ces derniers temps. L'intention d'imposer une taxe sur la guilde des mages. C'est des vents. Ouais, ok. Ce n'est rien pour nous, simplement venu à la conclusion que les gens. Hein, oh, vous allez me faire rougir. Ils doivent payer les mêmes impôts que tous les autres faiseurs de tours. Hein? Faiseurs de tours? Prenez ma magie pour deviner un tour. Un peu d'éclat et de lapin. Bla bla bla. Bla bla. Ah putain, je peux skipper. Bah en fait, je m'en bats les couilles. Alors, clic tout droit pour la caméra. Hein? Caméra. Clic gauche pour. Votre but est d'aider Mina, princesse vampire, d'arriver... Hein? Il y a un problème de français. Votre but est d'aider Mina, princesse vampire, d'arriver à la fin de chaque niveau. À arriver à la fin de chaque niveau. Non? Votre but est d'arriver à la fin... Non, enfin ouais, problème. Malgré quelques atouts dans sa manche, Mina doit éviter la lumière. Évidemment, c'est un vampire. Chaque niveau est divisé en deux étapes. L'étape de planification dans laquelle vous pouvez modifier l'emplacement des objets et l'étape d'action dans laquelle vous devez éviter tous les obstacles. Utilisez des objets éparpillés à chaque niveau pour vous protéger contre la lumière. Une source de lumière devient inoffensive lorsque l'indicateur lumineux affiche le symbole de lune si sa bordure est verte. À l'étape de planification, le pouvoir des chauves-souris permet de manipuler les objets. Ce pouvoir est actif par défaut dans le premier chapitre du jeu. Ok, ramassez de l'ail pour débloquer les chapitres suivants. Quelques gousses d'ail peuvent être cachées dans des endroits difficilement accessibles. Vous pouvez sauter encore. Bah oui, mais j'aimerais bien le lancer de niveau. À l'étape d'action, les pouvoirs de chauve-souris permettent de recouvrer... permet de recouvrir une seule source de lumière ou d'étourdir un ennemi, blablabla. Attends, mais je saute des trucs depuis tout à l'heure, non? Ils auraient pas oublié un truc dans le jeu? Ah, mais ouais, mais c'est trou de cul. C'est les trous de cul, bah ouais, ils m'ont fait faire des niveaux que j'ai passé, mais pour rien. Donc il fallait cliquer sur... En fait, tu peux pas lancer le jeu, il fallait cliquer sur la croix, là. C'est horrible. Ramasser de l'ail pour débloquer. Ok. Je sais pas si je peux me déplacer dans le niveau autre que... Voilà. Et on lance l'action. Ok. Alors attendez, pourquoi c'est... Q, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire?
Comment ça se fait que je peux pas me déplacer dans la vue du niveau? Ah bah oui, la caméra. Qu'est-ce que je suis con. Ils nous ont dit qu'on pouvait déplacer la caméra. Ok, bah voilà, je fais comme ça. Ok, on lance. Une gousse d'ail. Deux gousses d'ail. Et je sais pas où est la troisième gousse d'ail. Voilà, continuons. Alors, à l'étape d'action, les pouvoirs des chauves-souris permettent de couvrir une seule source de lumière ou d'étourdir un ennemi pour un court instant. À cette étape, le pouvoir peut être utilisé à plusieurs reprises après un bref instant d'attente. Cliquez pour utiliser. Les points de contrôle permettent de reprendre un niveau sans avoir à refixer les objets ou les flèches. Après avoir utilisé un point de contrôle, celui-ci est affecté à un... Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai le pouvoir du chauve-souris, mais ça sera l'étape d'action. Parce que si je lance là... 3, 2, 1... J'ai pas réussi à lancer le pouvoir. Bon, bah continuons. Augmenter la rapidité de Mina en maintenant la touche de défilement. Attention, au-delà du bord de l'écran, de nombreux dangers vous guettent. Ah, ça me permet juste de faire ça. Ok, il faut que je clique sur la source de lumière. Ça, ça sert à rien. On va le mettre ça ici. Je comprends pas parce que là, du coup, ça fait pas complètement en vert. Bon, on va essayer. On va voir si elle meurt pas en passant devant. Ah bah elle est morte. Ok. Elle a pris un rayon, la fille. Ok. Y'a rien à voir là au-dessus, on est d'accord. Mais qu'est-ce que je fasse avec ça, moi? Ah là, ça marche. Ah ouais, on peut l'utiliser que sur elle. Donc ça veut dire que sur elle, il faut le planquer volontairement. Allez, c'est parti. J'y suis arrivé. C'était super dur. Merde, j'ai pas d'aide là. Merde. Augmenter la rapidité. Ah bah non. Ok. Par contre, j'ai pas bien compris. Ouais. Bon. Alors, admettons... Oh putain, on en a plein. Il faut mieux faire ça, tiens. Comme ça, j'ai le temps de recharger et puis de le refaire sur l'autre. Allez, c'est parti. Il va falloir un petit peu de réflexe. Eh, j'ai pas eu mon pouvoir. Ça a pas fait mon pouvoir. Ça a pas fait mon pouvoir, je vais péter un câble. Pourquoi ça a pas utilisé mon pouvoir? Je croyais que je pouvais l'utiliser. D'accord, je peux l'utiliser normalement. Ouh, ça a pas intérêt à bugger ça. Ça me saouler sinon. Oui. Ah, je suis content. Mon dieu. Alors, bah pour l'instant, je vois pas en quoi ça va pouvoir se complexifier.
Ok, il est tombé comme une grosse merde, le truc. Je vais revenir comme c'était. On va mettre celui-là là, et celui-là là. Pour que ça cache bien. On va mettre celui-là là. Je vais faire là, 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 là. Il y a des trucs qui se cachent derrière, mais on s'en fout, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, Nina. Bon, j'ai récupéré qu'un seul truc, bon c'est pas grave, je m'en fous un peu. Oh putain. Il a combien de niveaux là? Ouh, ça va chier. Comment je fais? Ah, faut que j'utilise les caisses qui sont en haut. Et ben on va les utiliser. Flore. Alors qu'est-ce que ça me permet ça, tout ça? Ça on va cacher lui. Ah on va cacher lui. Ah lui on sera obligé de le cacher, avec de la magie je pense. Lui c'est bien mais lui on sera obligé avec de la magie. Lui là-bas on le fera avec de la magie. Lui on va être obligé de le faire comme ça. Voilà. Ouais, je pense que c'est bien ça. Allez, c'est parti. J'ai pas envie de recommencer, alors t'as pas intérêt à bugger, putain de jeu. Oh non, qu'est-ce que je suis con. Oh putain, j'ai failli mourir. Je l'ai fait un peu trop tôt et... C'est bon. J'ai réussi à le passer, on en fait encore un petit. Choisissez le sens de course du mineur en faisant glisser la flèche dans l'une des quatre sens. Certaines flèches ne peuvent pas être positionnées que dans les sens appropriés. Ne pas être obligé. Ah, là, ça se complexifie. On va le mettre là. On va en mettre. Oh putain. Je sais pas si je peux les modifier pendant. Parce que là, imaginons que j'en cache un. Où est la porte de sortie? La porte de sortie, elle est là-haut. Donc il faut que ça monte là-haut. Sauf qu'il faudrait que ça récupère aussi là. Ouais, là j'aurais du mal. Il faut que ça monte. Et que là, quand elle va aller là, elle va aller là-bas. Vous m'avez compris quoi. Et puis je casserai le machin. Bah allez, on lance. Allez, on lance. Je crois que j'ai compris, mais je suis pas sûr. Voilà, elle est planquée, donc là elle va monter. Et là, elle va aller à gauche. Ah oui, elle est à la gauche. Putain, bien. C'est bien ça. Allez, on s'en fout encore l'autre. J'avais dit, mais voilà. Ça, je pense que ça va devenir ultra ouf. Oh putain, je sens que je vais pas y arriver. Oh putain, la porte, elle est où? Je dois aller où? La porte de sortie, elle est là-haut. Donc il doit monter là-haut. Ok, je peux aller là où je veux, donc je vais aller là-bas. Je sais pas si elle va faire demi-tour toute seule. Est-ce qu'elle va passer là, mais est-ce qu'elle va faire demi-tour? C'est une très bonne question, ça. Je n'ai malheureusement pas la réponse. Si je le fais là, je le fais là, je le fais là. Elle va revenir. Il faudra le monter. Elle va monter là-haut. Elle va aller à droite. Oh mon dieu, ce truc de ouf qu'on va faire. On va essayer d'en planquer un max. On va planquer celle-là. Ah putain non. Celle-là. Et j'espère vraiment qu'elle va faire demi-tour une fois qu'elle sera là-haut.
J'y crois vraiment moyen. Allez, c'est parti. On est où? T'as intérêt à faire ce que j'ai dit que tu ferais, espèce de connasse. Donc là, elle est là. Donc là, elle va là-haut. Putain, j'ai pas pu cliquer, c'est allé trop vite. Ouh, là, il y a du rage. Le point de contrôle. Ah putain, non! T'es sérieux? Ah oui, voilà, ça c'est mieux. J'ai pas pu appuyer sur l'autre, quoi, c'est un truc de ouf. Donc là, elle va monter. Il a intérêt à me laisser appuyer ce con. Oui, c'est bon. Ah oui! Je les ai tous eus! Et on va s'arrêter là! Donc, oui, passer au menu d'accueil du jeu, oui. Et voilà, donc Final Dusk, donc c'est un jeu puzzle où faut guider donc le vampire jusqu'à la porte de sortie de tous les niveaux sans qu'il se prenne le soleil et tout ça, en le guidant avec l'essence et tout. Et je trouve que c'est plutôt sympa, ça fait réfléchir, c'est cool. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo pour faire découvrir ce jeu, si vous le souhaitez. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, et on se dit salut !